La murale de Jean-Paul Mousseau est importante sur le plan technique et sur le plan symbolique. Elle témoigne du progrès technique. À la fin des années 50, Mousseau va explorer des nouveaux matériaux et il choisit ici la résine colorée et la fibre de verre. Il va travailler aussi avec un ingénieur pour programmer tout l'allumage des 840 tubes au néon et c'est une tâche vraiment complexe pour l'époque. La murale incarne une certaine modernisation du Québec à l'aube de la Révolution tranquille. Déjà, le fait de choisir une œuvre avant-gardiste pour habiller le hall d'Hydro-Québec reflète un changement de mentalité de la classe politique de l'époque. L'idée aussi de Mousseau de transformer sans cesse l'énergie électrique en lumière et en couleur représente bien l'effervescence des années 60. Donc, chaque jeu d'éclairage, chaque changement de couleur crée un nouveau tableau qui se répète seulement à tous les 175 000 ans.